Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Fifi, comme d'habitude. Alors aujourd'hui c'est un mini haul AliExpress, comme je vous avais dit la dernière fois. J'ai fait des commandes sur AliExpress, ça fait un bail que je n'en avais pas fait. Bon, j'ai pas tout reçu encore. Mais bon, je vais déjà vous montrer ce que j'ai reçu. Ça permettra de faire d'autres vidéos. Donc là, j'en attends encore. Parce que comme c'est sur 3 vendeurs différents, ben, j'attends sur encore 2 commandes. Voilà. Là, j'ai reçu la plus grosse. Enfin, la plus grosse. Il y a 3 articles. Hein. Donc, j'ai été raisonnable. Ça concerne la broderie, voilà. Je vais baisser le son de la télé, voilà, c'est mieux. Donc je vais vous montrer. Donc, je suis dans un petit paquet comme ça. Vous voyez, donc c'est pas très gros. Hein. Donc, je vais tout sortir. Hop, voilà, je mets ce papier là. Alors, d'abord, j'ai reçu donc un trieur, comme ça. Bon, on ne pouvait pas choisir la couleur, hein. C'était au hasard. J'ai reçu jaune, mais bon, ça on s'en fiche un petit peu hein, de la couleur. Normalement, il y avait du vert, du jaune, du orange, du bleu, du rose et du violet, je crois. J'ai une mèche qui m'embête. Je continue, je vais prendre le ciseau, je vais la couper. Donc voilà, c'est un trieur pour mettre vos fils. Donc, il est en plastique. Voilà. Donc, vous mettez vos fils. Alors, j'ai préparé juste un petit bout de fil. Enfin, un petit bout comme ça. Hop. Hop. Voilà. Donc, vous avez juste à passer votre fil dans le trou. Voilà. Hop. Et vous faites, vous passez dans une boucle. Et voilà. Donc, comme ça. Et vous mettez tous vos fils ici. Donc, vous pouvez rajouter des petites étiquettes. Devant chaque trou pour savoir à quelle référence ou quel numéro ça correspond. Voilà, comme c'est du plastique, bon ben ça va, hein, les étiquettes partiront bien. Donc là, 3, 3, 6, 9, 10, ben, il y en a, vous pouvez faire pour 20 fils. Voilà. Alors, cette petite chose coûtait, j'ai mis sur mon ordi, donc c'est pour ça que de temps en temps, vous me voyez me baisser, 1,63 €. Voilà. C'est pas très cher. Suivant les vendeurs, ça peut être plus cher, même moins cher. J'ai vu un peu moins cher, mais comme il y avait quelque chose chez ce vendeur que je voulais, bon, voilà. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, je vais le déballer. Alors, je le voyais plus grand. Mais bon. Sur la photo, ça me paraissait plus grand. Alors, j'ai les petites étiquettes. Voilà. Alors, j'ai 4 planches d'étiquettes. Comme ceci. Voilà. Recto verso. Et donc voilà, c'est un trieur, pareil. Alors, j'ai pas encore regardé vraiment comment je dois mettre le fil. Donc, je vous montrerai ça, je vous ferai une vidéo pour vous montrer exactement comment ça fonctionne. Alors, vous allez mettre vos fils, donc les fils vont être mis ici quelque part, voilà. Donc pareil, hein, votre fil comme ça, votre fil à broder.
Et ici, au milieu, c'est de la mousse. Voilà. Vous voyez, là, le truc rose au milieu, c'est de la mousse. Donc, ce qui va vous permettre de préparer vos aiguilles. Donc, là, alors, si je comprends. Alors, attendez, je regarde un truc. Est-ce que... Oui, voilà. Là, j'ai déjà compris ça. J'ai déjà compris où on met les étiquettes. C'est bien. Voilà. Donc, on met les étiquettes ici au milieu. Voilà. Donc, vous mettrez sur chaque étiquette les numéros ou les références des MC. Vu la grandeur, vaut mieux mettre des numéros, je pense. Et donc, dans les petits carrés roses qu'il reste, vous pouvez mettre vos aiguilles. Ça vous permet de préparer vos aiguilles donc à l'avance avec vos aiguilles de fil. Et de comme ça, quand vous avez vous faites par exemple 5-6 croix en jaune, après vous devez faire une dizaine de vertes, après vous devez faire 5-6 en marron, et vous devez refaire du jaune. Ça vous évite de prendre qu'une seule aiguille et de. Allez, on va remettre le fil, on va réenfiler, on va enlever, on va réenfiler. De faire, ça vous prend un temps fou. Vous allez prévoir plusieurs aiguilles et vous allez toutes les préparer. Voilà. Et donc, vous allez toutes les piquer ici dans le petit carré rose qui est ici et qui est ici, devant chaque numéro correspondant à la couleur. Voilà. Et donc. Ici, on va mettre les chevettes de couleur, de fil, pardon. Alors ça, par contre, il faut que je regarde comment on le met exact, qu'on le met, parce que là, j'ai pas encore regardé. Donc ça, je vous le remontrerai. Et... Je crois que je ressorte le carton du coup. Et je vous montrerai comment on s'en sert exactement. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Alors ça, je l'ai payé 3,62 €. Il y avait plusieurs couleurs aussi. Possible, il y avait du bleu, je crois, et du violet. Voilà. Mais bon, je le voyais plus grand quand même. Mais bon, voilà. Ensuite, le troisième et dernier article, oui, déjà. Alors, j'ai pris ça. J'en ai jamais fait. Donc, bah, ce sera l'occasion. Bon, pas tout de suite. Hein. Je ne vais pas le faire tout de suite. C'est Fifi qui vient de passer comme une folle. Alors, je vais le retirer de l'emballage. Oui, je disais, je ne vais pas le faire tout de suite parce que là, j'ai pas mal de choses en cours. Hein, le tricot, la broderie. Alors, c'est une broderie. Voilà. Mais, c'est une broderie au ruban. Voilà. Donc, il n'y a que des rubans à broder. Donc on a toutes les couleurs, vous voyez. Donc il y a du vert, du rose, on a l'organza. Voilà. L'organza blanc aussi. Un peu pailleté. Il y a du. Alors, je vais le mettre. Donc il y a du rouge. Là, j'ai quand même un peu de fil à broder. Pas beaucoup. J'en ai trois. Deux bleus et un vert. C'est les seuls fils à broder qu'il y a dessus. Et après, bon, j'ai plusieurs sortes de rubans verts. Voilà, vous voyez ici. J'ai du gris, il y a du rose, il y a du... Alors, dans l'autre sens. Il y a du jaune, du orange,
du rose, un petit rouge en ganza. Voilà. Donc, je n'ai jamais brodé de ruban. Ce sera l'occasion. Il y a une, j'ai une aiguille avec. Donc là, c'est une aiguille plus grande que d'habitude. Hein. Vous voyez. Je vais vous la montrer. Hop. Donc là, il y en a qu'une, mais bon. Et j'ai, alors en tout, il y a 15 couleurs. La toile, la voici, c'est un bouquet de fleurs, donc c'est pas très grand, hein. Donc ce qu'il va falloir broder, ben, c'est tout le bouquet de fleurs, voilà, avec les tiges ici, voilà, et tout ça, le fond non, il se brode pas. Alors, c'est pas la toile à, c'est pas comme la toile à broder. Hein. On dirait que c'est un peu plastifié. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, c'est pas troué comme une toile à broder. Hein. Voilà. Alors, par contre, les explications, bon, déjà, c'est écrit tout en chinois. Voilà, donc, voilà ce que j'ai comme explication ici. Je n'ai que ça. Donc là, je vais plutôt aller revoir sur Internet, hein, ce sera beaucoup mieux. Donc voilà, je n'ai que ça en explication et derrière, c'est la même chose. Bon, il m'explique comment faire les nœuds. Bon, c'est la même chose que quand on fait du fil à broder. Il montre... c'est parce que les images sont vraiment petites pour expliquer, hein, voyez. Par rapport à... voyez, regardez mon doigt et regardez l'image. C'est assez petit. Voilà. Donc, il faudra que je regarde sur Internet, plutôt un tuto sur YouTube pour mieux comprendre. Donc là, il montre ce qu'il y a à broder quand même. Vous voyez, là partout, il y a des petites flèches. J'essaie que ça ne brille pas. Voilà. Donc là-dedans aussi. Et donc, toutes les fleurs, Donc, ils auraient pu faire... Alors, par contre, je vais... Heureusement qu'il y a les couleurs, parce que, bon, il n'y a pas du tout... Je n'ai pas du tout... là, j'ai les numéros, vous voyez. Mais là... c'est écrit... alors, j'ai les numéros, là. Mais au-dessus, c'est écrit en chinois. Donc, il va vraiment falloir que je prenne une loupe ou quelque chose. Parce que même vous, je ne sais pas si vous arrivez à le lire. Vous voyez. Donc, je vais le faire comme je peux. C'est dommage. Moi qui n'ai pas une très bonne vue, même avec ma lampe, je regarde avec ma lampe, mais ouais, avec ma lampe ça va un peu mieux. Bon, il y a les chiffres, donc ça va. On verra. Je vais éteindre la lumière. On verra. Donc voilà.
Bon, je me suis dit, je vais le prendre, on va essayer. Alors, donc, cette petite chose-là est pas chère du tout, du tout, du tout. 2,12 €. Vraiment, pour essayer, hein. J'y arrive, tant mieux. J'y arrive pas, bon, c'est pas grave. Mais bon, je pense que je devrais, en y allant doucement, ça devrait le faire. Donc voilà, c'était mes petites choses d'aujourd'hui. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc là, j'attends. Oups, j'attends encore. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, j'attends des aiguilles, des ciseaux, des autocollants, des embouts d'aiguilles à tricoter et des épingles de sûreté pour le tricot. Voilà. Ah, puis ça aussi. Et les aiguilles d'arrêt. Voilà. Donc, ça devrait arriver. Là, normalement, je devais le recevoir vers le 10 ou 15 janvier. J'ai passé ma commande le 19 décembre et j'ai déjà reçu. Donc, ça a mis 10 jours. Venant d'AliExpress, c'est pas mal, hein. Je vous mettrai les liens si jamais ça, il y a des choses qui vous intéressent. Je mettrai les liens. Alors, je crois que c'est cette boutique-là. Attendez, je suis allée voir le vendeur. Je sais plus si c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. J'avais une boutique. Alors c'est peut-être celle-là. Oui, je crois que c'est celle-là. Oui, bah, c'est pour le prochain truc où là il n'y a que pour la broderie dedans chez ce vendeur. Donc quand je recevrai le prochain colis. Mais alors là, c'est une caverne pour la broderie. Il n'y a que ça, que des choses pour la broderie dedans. Et en plus, bon, c'est pas bien pour les créateurs, hein, mais j'ai trouvé chez ce vendeur des kits de broderie de créateurs. Donc, c'est des copies, hein. Mais alors, j'ai trouvé de la marque Dimension. Alors attendez, je vais essayer de voir pour vous le dire. Pas celui-là, pas celui que je viens de vous montrer. C'est celui que je voulais vous présenter la prochaine fois. Comment... En plus, c'est pas écrit en français. On sait traduire, mais pas tout. C'est peut-être ça. Non, ça c'est les toiles pour broder. Non, ça c'est Diamond Painting. Ah, c'est peut-être ça. Voilà, c'est ça. Alors, j'avais vu des broderies de chez. En plus, ils cachent pas les noms, hein, donc c'est pour ça. J'espère que je vais les trouver tout de suite, sinon je vous le redirai la prochaine fois. Y en a quand même pas mal, donc. Et on voit qu'il y a des. On voit qu'il y en a qui n'ont pas les noms, mais on voit que c'est des copies. Ah, ça, je retombe plus dessus. Je ne retombe plus dessus.
je les vois plus, mince. Il y a les Mirabella aussi, donc ça c'est pareil, c'est une marque. Hein. Il y a les... Ah, ça m'embête. Je voulais vous en parler, et puis... Mais sinon, à part, il y a plein de fils à broder, les aiguilles, toutes sortes de toiles pour broder. Mais il y a des toiles magnifiques. Genre là, il y a une toile Aïda, mais métallique qui est bleu foncé, mais vous savez, avec du bleu clair, tout mélangé, qui fait comme des étoiles. Voilà, ils ont des fils DMC. Bon, ouais. Savoir si c'est les vrais, mais c'est marqué DMC. Hein. Ah, ça m'embête de pas retrouver cette toile parce que je voulais vous dire le nom. Ah, c'est Madame la Fée. Voilà. Ils ont des broderies de chez Madame la Fée. Et j'ai vu d'autres broderies aussi qui. De d'autres marques. Mais bon, c'est pour ça, ça met. C'est pas les vrais. Ce sont des copies qu'ils ont fait. Mais bon. Parce que quand on voit le prix. Que nous on les achète en France et que le prix où ils les vendent, on sait très bien que ce sont des copies. Bon, soit, je vous reparlerai de ce vendeur quand je recevrai ma commande. Mais sinon, c'est vrai que là, il y a plein de toiles de toutes sortes et de fils. Et même, il y a des modèles de broderie de toutes sortes également. J'étais contente de tomber là-dessus, mais... Il y avait un autre truc, et ça m'embête parce qu'il y avait un autre truc, et je ne retrouve pas. Bon, soit. Donc, voilà. Je vous referai donc une vidéo pour vous montrer... comment on se sert de ça exactement, peut-être que certaines d'entre vous le savent déjà, voilà, en ont déjà aussi chez elles. Moi je vais regarder de plus près pour m'en servir, et puis je vous montrerai ça sur une vidéo. Sinon aujourd'hui j'ai rien d'autre, oh, que ça m'énerve, j'ai rien d'autre à vous montrer. Nous on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je dois vous montrer, alors j'ai reçu avant Noël, mais j'ai toujours pas eu le temps de faire la vidéo, le catalogue de Bergère de France dont je vous avais parlé, c'est avec tous les échantillons de laine dessus, donc je vais vous faire la vidéo là-dessus. Et puis, ben non, les cotons, je vous les montrais déjà, vous les avez vus hier. Donc là, je me suis trouvé un ou deux petits modèles déjà pour faire du crochet avec. Donc, je vous verrai un petit peu à la fois. Sur le groupe, sur mon groupe donc de tricot et broderie, que j'ai sur Facebook, je vais bientôt organiser un sal. Donc, pour celles qui ne connaissent pas ce que c'est un sal, c'est en broderie. Donc, c'est un ouvrage qu'on va broder toutes ensemble, en même temps, le même ouvrage qu'on va broder. Il va y avoir des étapes. Donc, je vais voir si je le fais sur 6 mois ou plus longtemps. Alors, la broderie que j'ai choisie pour ce sal, c'est une broderie personnelle que j'ai créée moi-même il y a quelques années, quand je créais moi-même des broderies, que je dessinais moi-même. Donc, je vais vous la montrer. Elle est là.
Donc, ça va être ça. Oula, attendez, avec le plastique, ça ne va pas le faire. Donc, voilà. Ça va être ceci. Voilà, vous voyez, donc c'est bien moi. Ah, c'est écrit à l'envers, mais bon, vous devinez que c'est moi. Hein. Donc, à l'époque, moi, ça s'appelait les petites fées brodeuses. Et ça remonte à un petit moment. Hein. Donc, c'est un monochrome, mais que il y aura possibilité, si les personnes veulent le broder en plusieurs couleurs, voilà, elles pourront. Pas obligatoire aussi de le faire en rouge comme moi je l'avais dessiné. Moi je l'avais dessiné en rouge, donc c'est pas obligatoire non plus. On peut le faire en bleu, en vert, en jaune, en ce qu'on veut. Et donc il n'y a pas de difficulté sur cette broderie puisqu'il n'y a aucun point arrière, ce n'est que du point de croix. Donc c'est du point de croix compté. Donc c'est la taille du dessin fait environ 360 sur 360, ce qui va vous faire un dessin entre alors je vais marquer, alors attendez, je vais remarquer là que je regarde pour vous donner, pour celles que ça intéresse, hein, il y en a peut-être que ça n'intéresse pas du tout ce que je suis en train de raconter, sont en train de se dire nous on s'en fout. alors voilà, je l'avais mis là. Alors c'est par exemple en Aïda 7, bon on peut le faire en Aïda plus grand encore, hein, mais en Aïda 7 ça va être un dessin qui va faire 52 cm sur 52. Si on prend une toile en 10 fils, ça va être du 72 sur 72 cm. Du 11 fils, ça va faire 65 sur 65 environ. Et du 14 fils, ça fera du 51 sur 51 cm. Bon, ça, ça dépend de la toile qu'on choisit, de l'aïda, du lin, de l'étamine. On peut choisir tout ce qu'on veut. Voilà. Mais je vais en reparler dès que c'est mis en place, dès que les inscriptions sont en ligne, j'en reparlerai. Voilà, donc les inscriptions se feront ici au mois de janvier. Et après, je verrai. De toute façon, je pense que je ferai une étape par mois. Voilà, parce que 15 jours, j'ai déjà fait un sale, moi, l'année dernière, où les étapes, c'était 15 jours. C'est trop serré, 15 jours, je trouve. Même si on ne travaille pas, on a d'autres choses à faire. Et, même pour, et puis, pour celles qui travaillent, je trouve qu'un mois, c'est bien pour faire une étape. Voilà. Donc, même si on fait sur un an, hein, tant pis, hein, on fera sur un an. Voilà. Donc moi ce que je ferai, j'ouvrirai un événement sur mon groupe et puis je vous préviendrai à ce moment-là. Donc vous viendrez vous inscrire sur le groupe. Et pour celles qui n'ont pas Facebook et qui voudraient quand même le faire, ben, vous me le direz à ce moment-là. Mais bon, je referai une vidéo pour en reparler à le moment venu. Voilà. Voilà. Je crois que j'ai plus rien à dire pour aujourd'hui. Là, il commence à être tard. Bon, enfin, 22h13, pour être précise. Je vais vous faire des gros bisous. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Et soyez sages, l'année est bientôt finie, on est 29, oh, là, 29, donc vous avez la vidéo le 30, donc demain c'est réveillon. Donc j'espère que tout le monde sera sage demain au réveillon, mais
Et puis, ben, je ne sais pas ce que vous ferez au réveillon, si vous allez rester chez vous. Comme j'ai marqué dans la communauté, allez me répondre dans la communauté. Je vous ai posé une question. Me dire si vous allez être en pyjama ou en robe de soirée. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve très vite. À bientôt. Bisous, bisous.